Déjà, je vous souhaite une bonne fin d'année et que la nouvelle année qui commence dans quelques heures puisse vous apporter santé, prospérité, bonheur et tout ce que vous souhaitez. Vous avez été nombreux à suivre le discours d'Ali Bongo, même si, autant que vous êtes, vous n'avez pas cru en ce qu'il a dit. Et dans un premier temps, quand on décrypte ces discours, on se rend compte qu'Ali Bongo est un homme déconnecté de la réalité. On a l'impression que c'est un extraterrestre, quelqu'un qui est descendu sur une planète qui lui est totalement étrangère. Il ne connaît pas les réalités du pays. Il vit en décalage avec les réalités du pays. Tout ce qu'il a dit, comme on vous le dit souvent, les promesses n'engagent que ceux qui veulent le prendre au sérieux. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Ali Bongo n'a fait que d'aller de promesse en promesse. Dans son discours creux, qui est véritablement une chanson qui ne peut plus bercer les Gabonais, on a eu l'impression d'un président qui est en campagne. Il a donné l'impression d'un président qui est en campagne. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Mais on n'a pas senti un vrai bilan. Un homme d'État fait le bilan. Après presque 14 ans à la tête du pays, c'est un bilan. Ce n'est pas « je ferai ceci, je ferai cela ». Ils ont l'impression d'un chasseur à qui on a donné des munitions pour aller abattre le gibier pour préparer un retrait de deuil. Donc, à 2 jours du retrait de deuil, il n'a pas tué du gibier. Il a tiré toutes les balles, il n'a plus rien. Et il revient pour vous dire, donnez-moi encore 2 boîtes de cartouches. Je vais tuer du gibier. Mais tu as 2 jours du retrait de deuil. Tu as eu 2 semaines, tu n'as pas pu tuer du gibier. C'est à 2 jours que tu vas
Tu es le gibier qui nourrira la population qui viendra au retour de... Non. Ali Bongo a donné cette impression de quelqu'un qui est en campagne. Et quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que le Gabon, c'est le meilleur du monde, où tout le monde baigne dans un océan de bonheur. Or, aujourd'hui, la galère a atteint le niveau maximal au Gabon. Les Gabonais vivent plus mal aujourd'hui qu'hier. Tout ce qui est fait, tout ce qui est pris comme mesure, n'est pas dans l'intérêt du peuple gabonais. Orali Bongo a présenté le Gabon comme un océan de bonheur où tout le monde est heureux. Et on a l'impression que le coronavirus, c'est devenu son cheval de bataille. Que tous les problèmes doivent tourner autour de ça. La vie doit s'arrêter au Gabon. Donc, on ne parle que de ça, en fait. À la limite, c'est quelqu'un qui est dépassé par la gestion du pays. Vous savez, quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Ali Bongo n'a rien fait. Il accuse des gens de vouloir déstabiliser le pays, mais c'est lui-même qui déstabilise le pays de par son apathie, de par son incapacité à gérer le Gabon. Il donne, à la limite, un bâton à ses détracteurs pour le fouetter. Il a parlé de régie financière, mais un homme d'État, un gouvernement, un président ne convoque pas les partenaires sociaux à travers les discours, ne fustige pas. Il doit plutôt appeler à la concertation, à une discussion. Or, on a vu que depuis que les grèves ont commencé, le gouvernement de Rose Christiane Ouattara-Raponda n'a pas fait asseoir les partenaires sociaux pour discuter. Et là, il vient maintenant pour dire non, on veut déstabiliser le pays, ce sont des hommes politiques, des opposants comme d'habitude. Il voit toujours, c'est normal, c'est quelqu'un qui a un problème. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Il vient dire qu'on est en train de manipuler. Il y a des gens qui font là dans la division. Le Gabon, moi président, le Gabon restera indivisible. Mais il ne sera plus président. On parlera bientôt de lui au passé, parce qu'il est en train de réunir toutes les conditions de sa chute. 2022, c'est un tournant très dangereux pour son régime. Ça, il doit le savoir. Donc, il est venu encore tenter de bercer les Gabonais en disant que je ferai ceci, je ferai cela. Entre-temps, depuis 14 ans, au moment où le Gabon avait beaucoup de ressources financières, on n'a pas vu. Mais c'est comme une hirondelle qui n'a pas construit son nid. Pendant la saison de pluie, et on arrive en saison sèche. Elle cherche maintenant à construire le nid, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc le Gabon n'a plus d'argent aujourd'hui. On emprunte toujours. On va emprunter, mais l'argent qu'on emprunte ne peut pas suffire à développer le Gabon. On dit que l'eau qu'on a seulement quémandée ne fait pas cuire le repas. L'eau qu'on a seulement quémandée ne fait pas cuire le repas. Au contraire, cet argent qu'ils vont chaque fois prendre auprès du Fonds monétaire international, c'est pour assurer leur vie. Vous avez vu que le coronavirus est devenu leur business. Vous avez vu ces messages-là échangés entre Mata et ces agents de la mafia qui parlent de partager l'argent du Covid. Donc, c'est leur business. Ils ont fini de piller le pays. Ils ont planqué l'argent dans les paradis fiscaux. Ils n'arrivent plus à ramener cet argent. Donc, il faut créer d'autres gisements pour rapporter de l'argent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Ali Bongo est incapable de gérer le Gabon. Il faut qu'on s'en débarrasse d'une chiquenaude. Parce qu'il vient nous promettre mont et merveille. Depuis 14 ans, il n'a rien foutu à la tête du pays. On ne peut pas faire confiance. On ne peut plus accorder la crédibilité au discours d'un type comme ça. C'est un discours creux et même avec beaucoup de fautes. Je ne sais pas qui a rédigé ce discours. J'ai noté une phrase. Quand il parle aussi. Le trans-gabonais qui parle de tant, sera machin. Non, sera-t-il? Quand on dit on commence par aussi, on inverse le sujet. Et il paraît que ce sont les gens qui ont fait l'école, qui écrivent ce discours. Je ne sais pas. Mais ils sont tous bêtes. À force de se fréquenter, ils deviennent tous bêtes. Donc, un discours creux, on ne peut pas dire qu'on a un président. Il est venu vous promettre. Mais le quotidien des Gabonais est devenu plus difficile. Il faut des mesures qui tiennent compte des réalités. Or, Ali Bongo est un homme déconnecté de la réalité. Les Gabonais souffrent aujourd'hui. Les Gabonais ont besoin d'entendre parler d'avenir, d'améliorer leur train de vie. Comment ils feront? L'emploi, il parle de créer
quel emploi? Dans quel contexte? Contexte où il y a l'amorosité là, il va créer quel emploi? On est en train de licencier. Les sociétés sont en train de mettre la clé sous le paillasson parce qu'il n'y a plus toutes les structures. L'économie, tous les indicateurs sont rouges. Donc il parle de quelle embellie, lui? Il n'y aura pas d'embellie, au contraire, le Gabon ne fait que s'enfoncer dans les abysses. Donc, c'est un homme déconnecté de la réalité. Et moi, j'attendais même, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin, parce que franchement, c'était de la bouillie pour les chats. Je n'ai pas suivi ce discours jusqu'à la fin. J'entendais qu'il parle un peu de ce conflit aujourd'hui entre le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Le gouvernement qui saisit la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui annule un décret, et le gouvernement qui revient sur le même décret, qui saisit encore la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle qui annule. Mais le président, le chef, l'exécutif doit se prononcer par rapport à un tel conflit. Mais on n'a rien entendu. Sauf s'il a dit ça à la fin. Mais on n'a rien entendu. Ali Bongo sur ces passages-là. Mais ce qu'il sait, c'est que la Cour constitutionnelle ne va pas valider ça. La semaine prochaine, la Cour constitutionnelle va examiner cette saisine-là dans le fond et dans la forme. Et ça sera annulé. Ça, je peux vous le dire déjà. Je vous le garantis. La semaine prochaine, la Cour constitutionnelle va annuler. Il n'y aura pas ces mesures-là. Et le copil citoyen remportera cette victoire. Je vous le dis déjà. Vous me donnerez raison la semaine prochaine. Donc, je ne comprends pas. Il est évasif sur des questions importantes. On attend le président pour rassurer. Ailleurs, quand un président prend la parole, c'est pour rassurer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais sont inquiets de leur avenir, leur devenir. Ils parlent de l'éducation. Mais l'éducation, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'éducation? Il avait promis les salles de classe. Il avait promis améliorer le train de vie des enseignants, leurs conditions de travail, revoir leur traitement salarial. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ali Bongo n'a rien fait. Les salles de classe, il n'a rien construit. Donc aujourd'hui, il parle. Aujourd'hui, les gens qui sabotent, il voit son action sabotée. Oh, c'est lui-même qui sabote son action. Donc, il est comme ça, il voit, à la limite, il voit des ennemis partout, il voit des complots partout. C'est normal, parce que quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteau. Quand on a un clou dans la tête, tous les problèmes se présentent sous forme de marteau. En tout cas, celui qui a écrit ce discours n'aime pas Ali Bongo. Parce que tout tourne autour du coronavirus. Mais écoutez, je suis de ceux qui pensent. D'abord, un, je ne me ferai pas vacciner, ça je vous le dis. Si c'est pour ça qu'on m'enlèvera de l'Europe, je préfère partir. Je ne me ferai pas vacciner. Deuxièmement, il faut qu'on se prépare à vivre avec le coronavirus comme on vit avec notre grippe. Parce qu'il n'y a aucun médicament. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de médicament. Il y a juste des injections. Mais quelle injection qui ne rapporte rien, qui ne change rien? Que tu sois vacciné ou pas, tu attrapes la maladie. Mais ça sert à quoi alors? Donc ils ont d'autres objectifs qu'ils poursuivent. Ils ont d'autres objectifs qu'ils poursuivent. Et lui, il vient surfer sur ça. Il veut surfer, il veut le répandre la peur. Mais le coronavirus, tout l'argent qu'on a insufflé là-dedans, qu'est-ce que ça a rapporté au Gabon? L'argent a été détourné. Quand on mettait 6 milliards pour le transport des Gabonais, mais l'argent est passé où? Il faut qu'il nous fasse le bilan de ça, avant de venir pomper les discours creux. Donc, mes chers compatriotes, on doit rester focus sur notre objectif, libérer le Gabon. Parce que ce discours-là est venu nous conforter dans l'idée sur laquelle Ali Bongo ne maîtrise plus le Gabon. Ce n'est plus un président qui a le contrôle du Gabon. Il ne maîtrise plus rien. Le navire Gabon n'a plus de pilote à bord. Il n'y a plus de pilote à bord de ce navire Gabon. Ali Bongo nous demande, on écrit ça, il lit. Et ce discours d'abord, il a été préparé à la maison parce qu'il ne va plus même à la présidence de la République. Depuis bientôt un mois, il ne va plus à la présidence de la République. Il y aurait une quarantaine d'agents de la présidence de la République, ses collaborateurs qui sont atteints du coronavirus. Il ne va plus là-bas. Ce discours-là a été préparé chez lui. Donc voilà quelqu'un qui dort, il mange, il ronfle, il se réveille, il vient vous lire un discours à la télévision, déconnecté de toute la réalité. Parce qu'il ne va plus à la présidence. Même les vœux de nouvel an ont été annulés. Je vous donne l'information ce soir. Ils ont annulé les vœux de nouvel an. Sauf s'ils reviennent après. Moi, j'étais avec quelqu'un de très haut placé aujourd'hui au téléphone. Il m'a dit, ils ont annulé les vœux. Parce qu'il a peur. Il a peur du coronavirus. Il dit, s'il va à la présidence, le coronavirus va l'attraper. Mais il a peur. C'est qu'il craint, il n'a pas arrivé.
Et peut-être c'est le coronavirus qui va le pousser au tombeau. Parce que là, on a quelqu'un qui ne fout rien, qui est grassement payé, soigné par le contribuable gabonais, mais qui ne nous, qui nous est d'aucune utilité. Il n'apporte rien au Gabon. C'est le même discours. Remarquez bien, toutes les années, là, c'est ça. Je ferai ça, je ferai ceci, je ferai cela. 14 ans après, tu dis encore, je ferai ça. Mais dit, je fais ça, je fais ceci, je fais cela, je fais. C'est tout. Mais il n'y a pas ça, il n'y a même pas de discours. Il n'y a pas de bilan. Et c'est quelqu'un qui va encore aller se présenter candidat à la présidentielle alors qu'il n'a aucun bilan. Alors, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ali Bongo dit qu'il est vacciné, mais qu'il aille à la présidence. Pourquoi il fuit maintenant la présidence? Ils ont dit que le vaccin, c'est leur panacée. Mais pourquoi il fuit? Il ne va plus à la présidence? Renseignez-vous. Ça fait un mois, il ne va plus à la présidence. Donc, même ceux qui écrivent les discours, ah, je suis d'accord avec vous, sont malades. Ils n'aident pas. Ils parlaient de diversifier l'économie. Mais depuis, on parle de ça. C'est un serpent de mer, la diversification de l'économie gabonaise. Elle n'a pas été diversifiée. Il n'y a pas que le pétrole, il y a l'or. Mais l'or fait quoi? L'or profite à la mafia de Sylvia Bongo et d'Ali Bongo. Il y a d'autres ressources qui sont exploitées, mais ce n'est pas déclaré dans les caisses de l'État. Or, au nom de l'unicité des caisses, cet argent va être versé au trésor public. Or, cet argent profite à Ali Bongo. Il vous a parlé aussi de la transformation. Mais bon sang, on transforme quoi au Gabon? Est-ce qu'on a mis toutes les unités nécessaires, les unités de production? Rien n'a été fait. Donc, voilà quelqu'un qui se moque de lui-même. Mais il apprendra à ses dépens que la mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Merci, mes chers compatriotes. Soyez sages en cette période de fin d'année. Ne sortez pas pour vous retrouver après dans Iveco. Restez chez vous. Parce que quand on sait qu'on cherche à nous pousser, là, il faut rester chez soi. Hein? Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser dans le ravin, cherche à te pousser, ne te mets pas dans le ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne te mets pas dans le ravin. Donc, restez chez vous. Il ne faut pas que vous terminiez la fête dans Iveco. J'ai vu Iveco qui est en train de mettre du carburant là, pour faire donc la patrouille ce soir et ramasser tous les autres Gabonais. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on m'appelle un bricoleur. On a arrêté de manière arbitraire, il faut intervenir, il sera trop tard. Hein? Donc, restez chez vous. Ce discours-là était la bouillie pour les chats. Ça ne caresse personne, ça ne berce personne. On doit rester focus. Et je vous dis, 2022, il faut que 2022 emporte Ali Bongo et tout son régime. Et on n'en parle plus. C'est ça notre objectif. Tout ce qu'il va dire là n'est que distraction. Notre objectif, c'est faire tomber Ali Bongo en 2022. Merci et bonne soirée et surtout, bonne fin d'année à tous. Oh,
Oh.